Panavi hangilo kule kwa ma yo yo Belangalo ya lenyo ninga wangolo pume ya hambo Ewo kali onte kwa wenta jikenge ma yo ya ntaka Panavi hangilo kule kwa ma yo yo Belangalo ya lenyo ninga wangolo pume ya hambo Panavi hangilo kule kwa ma yo yo Belangalo ya lenyo ninga wangolo pume ya hambo Ewo kali onte kwa wenta jikenge ma Balandi émission ya biso ya toye bakongo oye salemi na kati ya Zeri TV ndenge kaka na ebisa kabino ki voilà mwana kongo nyoso obotami kongole uzana droit ya koloba mabe na malamu na mabele wana babengi kongo Kongo ezali mabele munene République démocratique du Congo. Alors, okoki kofanda kaka te, otala batu mususu baloba sur Congo, pie ba pie Congo ou bien nini te. Ozana duwa ya koloba. Yango wana lelo toye, tozali na mama na biso aye kotala biso na plateau ya Zaire TV. Po a exprimer. Makambo oyu ye azana ngona kati ya motema oyu ayebi ke azape na ba problem oyu itali Congo mabele ya Congo ba, ba problem moko individualite me oyu itali Congo oyu kubenga biso na numero ya telephone ya 074-66-35-42-13 benga biso toko yamba yo pe toko solula na yo Alors, invité à Maya Lelo Isali, Maman Victoria Dimanja. Mingi nabino boyebiye. Surtout à Wana Londres, boyebi Maman Dimanja. Azali combattat, azazo kende partout ko défendre kaka Congo. Alors, na yango, na bengi Maman, aussi présenté na no yomoko. Deva batu baye baye soki na ozana. Oui, merci mingi papa Jean-Marie na sepeli mingi ndengo ya minga ilelo na plateau nayo. O na mona ka mingi boya baka kaka ba papa. Mais lelo ya mbi mama na sepeli mingi boso ya mape ba mama je le sais. Mais majorité za ka ba papa alors que ba victime ya makamba Congo ezali biso ba mama na bana na biso. Alors na sepeli mingi koza lelo na plateau ya Zaire TV. Ngai mama Victoria Dove Dimanja. Dove na anglais na kong, na français ba binga mama Colombe na bo ba yebi Congo ango depuis Congo na voilà OK mama lelo oyeli biso to solo la to mona mona kaka ba image otina na Facebook mais nanu to solo libwete c'est la première fois to solo la na yo boy face à face alors yebisa na biso likambo yeli biso merci mingi papa Jean-Marie na yé na likambo moko na kulinga to kende malembe malembe Ndiye kuzwa biso mwa mulai na explique ango oyo na moni na remarqué to bundani pendant presque 20 ans ya invasion ya occupation ya Congo par les étrangers les pays voisins tozo potana lokola mutakwe na mai mona soma amona tali tite zo likakangi litakanisi yango nde ko bikisa yi amona tanzete akangi nzete Yango wana tozo potana tozo bundana ba concertation nationale ba dialogue ba élection ba conférence nationale you name it alors en tant que chrétien naye awana point de vue chrétien en koloba en tant que mama chrétienne na observé na leli na bondeli nzambi likambo ya Congo ezanini pourquoi un peuple a tant souffert pourquoi un peuple souffre autant Depuis le temps de Léopold II, colonisation, les lots comme colonisés par un petit pays comme le Rwanda et l'Ouganda. Yango, na solina l'un de nos pasteurs, a conseillé à Ganga Mingi na kati ya combat où, en tant que chrétienne, je ne peux pas être indifférente à la souffrance de notre peuple. Matumusu bazolo ba politique, tout ça. Moi, je ne fais pas la politique, mais je suis allergique à l'injustice. Na monil kambama be eza na nzila eza na famille na lubaka alors yango na telema en tant que mama kota la souffrance ya mama congolaise na telemi pour na ko défendre les droits
y a ba maman et puis la population congolaise en entière. Donc yangwana na ye na prié na consulté pasteur na somo ko azana na Autriche na Vienne, pasteur Joseph Nombe que je salue en passant, a conseillé nga en tant que serviteur de Dieu à la lumière de la parole. Alobi situation ya Congo maman di manjayo zo kubundi obundi obundi omoni tosuki tozaka ka korompwe tozaka ka korompwe bato bazo kufa payer za divisa ko za pié et invasion et ya ba étranger bazako yaka kokota. Nous avons un problème très sérieux au Congo, nous avons un problème devant Dieu, et le problème du Congo je crois que c'est un problème spirituel. Yangoana, à la lumière de la parole de Dieu, naye ko partager le kamboy. Na sina yo kamboy nous deux fois depuis to banda combat ou presque 20 ans, parce que AFD le kotaka na 96 96 na est à Congo ti na 97 97 ba kumi na Kinshasa. Donc ça fait 20 ans, presque 20 ans tozo ki na occupation à Congo. Yangwa naye ko partager point de vue ya lelo po batu bayeba bayoka et total la pe point wana ce qui yango pe koko meme la biso solution. Dialogue. Je ne les blâme pas. Toujours la solution. On ne sait jamais d'où nous viendra le secours. À moins que j'ai le pouvoir pour pérenniser la souffrance à peuple congolais. Mais où est-ce que nous avons peut-être que nous avons une élection, nous avons une dialogue. Ce qui réellement, c'est là où nous avons une libération et qu'on a fait la souffrance à peuple congolais, pour soutenir. Et si on a un secours, et qu'on a une Bible, d'où me viendra le secours? Nous levons les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Secours, et qu'on a un point de vue, il y a un point de vue, il y a un biblique, il y a un point de vue. Maman, avant, nous avons été à est-ce que pour le bima kambo, que tu as un problème spirituel? Un problème spirituel, est-ce que le gouvernement ou bien le bateau, qui est la solution? Spirituellement ou bien bazou kilango matériellement? Non, jusque là na moni ke bazou kilango na ndenge ya bomoto yango na ngi na développé na partager point de vue oyo et surtout na zek na eko lancer appel na ba serviteur de Dieu oyo ya pays na Congo et na diaspora ba lizo point de vue oyo pour ça problème moko spirituel ba yoka ngai le londe ko na bango na eko lobela bango likambo oyo ba kende dans la prière ba invoquer Dieu toye ba vraiment. Racine ali kambo ya Congo et za problème ko spirituel et solution e ko uta na ndenge ya spirituel yango na ina kota na muzindo ali kambo soko permettre nga vas-y maman voilà. Donc to mona ki ke pona bis pona ngana pasteur nga to solula ki na ye mona ki solution ya problème ya Congo e ko uta na ba politicien te, solution ya problème ya Congo e ko uta na ONU te, et qu'outa la communauté internationale, mais qu'outa de la part des hommes et des femmes de Dieu, oyo bazak bako sonder et écriture sainte, bako interpréter correctement les écritures saintes pour na koyé ba racine ya problème et quelle est la solution à problème à Congo. To yebi que depuis la chute d'Adam dans jardin d'Eden, ce bande ko bazana bazo danda ba kozwa biki ba komato ko partager ba verset na kotanga te pour Nathan ou ko koma ko vérifier nanda ko depuis la chute d'Adam et Eve dans le jardin d'Eden ou comme la Genèse 3, la juridiction de la terre tout entière est passée entre les mains de Satan. Ce ko ke na Matthieu 4 8 à 9 to za comme Nathan go Satan a mis le Seigneur Jésus na montagne a ebisié. Si tu m'adores, je te donne tout ceci m'appartient. Tous les royaumes de ce monde m'appartiennent. Donc, les Mukilo, ils sont dirigés par Satan. Ils sont dominés par Satan. Il y a des gens qui sont occultistes, qui sont au gouvernement, au parlement, partout dans Mukilo. Ce sont des occultistes, puisque tous les gouvernements de la terre sont dirigés par Satan. Il y a des gens qui sont soutenus, qui sont en train de se faire, qui sont en train de se faire, puisque Satan domine partout. Angwana. Oye baki mukilo est dirigé sous Satan. Mboka na biso Congo. Na moi histoire muke to yebaki tozo yoka. Puisque histoire mboka na biso et comment ma pété yebali pété bazako falsifier ngo oya ye akotia na yeba na kambu na ye na ndenge na en tout cas je nazako ko regretter liwa ya ndeko na ngai Filemon oya zeko pesa biso vraiment histoire ya mboka hein que son âme repose en paix puisque histoire mboka to mais muke to yoka ki. Il paraît que dans les années 70 et quelques, il y avait des étudiants qui venaient de partout du monde
de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, pour qu'on ait tanga na l'université à Congo. Il y avait des malades qui venaient de partout au monde pour se faire soigner dans des hôpitaux au Congo. Mais Lelo, pourquoi cette régression? Comment nous en sommes arrivés là? Comment et pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi? Le Congo dégorge yaba éminents professeurs des universités, des hommes, des juristes, des professeurs. Donc, tout le monde très intelligent. Mais comment nous en sommes arrivés là? Pourquoi cette médiocrité dans la classe politique congolaise? Bon, les points, on a eu qu'à partager Nabino Lelo et Zalike. D'abord, notre pays est soumis aux écritures saintes. Avec 80% ou 80 ou 90%, 90%, il y a population chrétienne. Donc, notre pays est soumis aux écritures saintes. Alors, tango, président Nabiso, à ce moment-là, avait publiquement humilié Israël, dit haut de la tribune de l'ONU, pour la Kolobake. Entre un frère et un ami, le choix est clair, à couper ma relation diplomatique avec Israël. Il était applaudi. Peut-être 10 ou 15 minutes pour Nali Kamboane. Alors que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'un pays chrétien, nous savons que dans la Bible, Dieu dit, maudit celui qui maudit Israël. C'est cette malédiction qui est que notre président avait attiré sur le pays en humiliant publiquement Israël. Et il y a aussi un autre point de vue, des crimes de sang qui ont été commis et qui sont en train d'être commis aujourd'hui au Congo. À commencer par l'assassinat de Papa Kimbangu, et Lumumba et compagnons, les pendus de la Pentecôte. Les sangs des innocents continuent à couler au Congo. Et notre Dieu venge toujours les sangs innocents. Nous sommes les gens qui ont accumulé quand ils ont mis la carte au Congo. Alors, vous savez que les richesses du monde, les richesses du monde entier, elles sont entre les mains du Vatican et d'Israël. Il y a un moment où les États-Unis sont en Israël. Attends, les lobes, ça n'est pas lobby contre les ba pays, nous sommes balandés à Israël, hein, mon aboy. Au moins, les États-Unis toujours, ils ont soutenu Israël. Pour Baïbi, c'est un pays pour lequel Dieu lui-même combat. Combat pour lui. Et l'économie, il y a les États-Unis, ils ont soutenu la majorité par les Juifs. Il y a un moment où nous avons dit, les Américains, Baïbi, c'est créé, on a pas ça, on a Israël. Quand nous sommes dans l'histoire, quand nous sommes dans Israël, nous sommes vers la terre promise. Josué, à côté de tout le monde, s'est déguisé, il a dit pour que nous sommes dans la musique, alors Josué avait fait avec eux un vœu que nous, à côté de Bango, va vivre parmi Bango, dans l'Israël. Alors, quand Saoul a vu Bokonzi, Saoul a découvert que Batouana Basala Kande Malice, Bazana Bango Israélite, Saoul avait exterminé les Gabaonites. C'est dans l'histoire et la Bible, on parle des Gabaonites. Saoul a exterminé les Gabaonites. Alors, tant que David a eu Bokonzi, il y a eu une famine, une grande famine en Israël. Alors David n'avait pas compris que Dieu lui avait promis toutes ces belles promesses de bénédiction. Mais Azu Bokonzi, famine est outouable. À consulter Nzambi, Nzambi a épié, c'est à cause du péché au Saoul à Salaka pour exterminer Bagabaonite, alors que Josué à Salaka n'a pas voulu que beaucoup vendent à Kawana, Namboka, beaucoup ticaté. Alors, David a dit Nzambi, tout ça, Nzambi a lobby, exterminer la maison de Saoul. David a boumé une famille mobile à Saoul, à l'exception, il y a moi, il y a Nathan, Nathan, Zaki, moi, à Saoul, le quoi, Zako, Yokanaming, na David, Zaki, vraiment, Bambi, comme des frères. David a promis qu'il a pour protéger la famille. David a dit qu'il a moko ya nata. Donc, quand un péché est commis au niveau de l'État, et notre président d'antan avait publiquement humilié Israël, il faut que ce péché-là soit réparé au niveau de l'État. Donc, il faut que ce péché-là soit réparé au niveau de l'État. Donc, il faut que Congo, mais il faut qu'au niveau de l'État, que cela soit réparé. Yangwana, j'en viens aujourd'hui. On a lancé appel à vous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les bishops, les évangélistes. Il y en a même qui travaillent autour du président ya Congo. Ce qui vous l'indique, c'est que vous êtes vraiment remplis de l'esprit. Beaucoup de choses sont là que les campes, maman, on a besoin de moi sur la lobby, Esaïa Solo.
bon me kananu ko solana mo konzi mboka wana ke a réparer ma be oyo le prédécesseur na ya salaka pour na kolongola malédiction du kolonga Congo. Aujourd'hui, on nous chante que Mboka est bongi, développement à Mboka, les indices économiques sont positifs et tout ça. Mais quand nous voyons ces soi-disant développements, qui en bénéficie? Les boulevards au Botongi, les hôpitaux au Botongi, la cité sur la cité du fleuve, qui en bénéficie? Kaka classe ou la politique, avec leur argent qu'ils gagnent, tout le monde le sait comment, mais la petite population n'en profite pas. La population n'en profite pas. Et le développement d'un pays, c'est quand la population est assez comique, trois fois par jour, c'est ça qu'on peut, comparer le développement d'un pays. On ne compare pas le développement d'un pays avec des constructions des immeubles, hein, ou des constructions des autoroutes. Je vais vous donner des petits exemples à la famille Nangamoko na connaître. J'ai mon jeune frère assis à l'université avant Ghana le Mwana Congo. Naya wana poto ça fait 15 ans azwa kamsalate. Po azwa musala yaya na kendeke sika moko boye balobi na pesa $500 po ba pesa nga numéro ya matricule. Na lobi na kutinda mongote. Comment un pays pose musala otangi diplôme na maboko il faut que nous foute pose ani. Ake mususu na ba compagnie privée. Kuna ba 5 ka 300 je dis je ne donne pas. Vous êtes des Congolais otangi mayel na yo pose musala il faut ta. J'ai trois neveux au moment où je vous parle. Bah, si médecine, ça fait plus de 5 ans, presque 5 ans. Pour bazoua numéro d'ordre à médecin à Congo, il faut que vous en bon. Et ces jeunes gens vivent au Kende, moi bas salam salezate, moi bas fonder famille exacte. Pour na kozoua numéro d'ordre des médecins, il faut foutre en bon. Alors quel est ce développement là, avec une corruption institutionnalisée? Quel est ce développement là? Pourquoi nous en sommes arrivés au niveau où tous ces intellectuels du Congo, aveuglement, c'est l'humiliation, la malédiction, pour qu'on ait un peu à terre à Israël. Il y a un lancé appel à ma serviteur de Dieu. Il y en a même, ma serviteur de Dieu, tout le monde a un peu, ils travaillent autour de leur président. Boye Bisaye, les pasteurs, les bishops, comment on les appelle les catholiques, les évêques, les monseigneurs, tout ça. Vous êtes des spiritual leaders, hein, des leaders spirituels du pays qui pouvaient conseiller les gouvernements dans des choses comme ça, que voilà, les Kamboy. Le peuple n'a pas souffert mingi. Le président oui, a salakaboué, selon les écritures. Il faut que le président actuel demande pardon à Israël au nom du peuple congolais. Qui, même s'il faut le faire du haut de la tribune de l'ONU, et c'est comme à Kambi Bandaka, à Kendeke Naoni, Kunal ou Bakatomona Kaye, conseillez-le qu'il aille le faire. Qu'il donne une copie à lettre à pardon à l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, qu'il aille au mur de lamentation à Jérusalem en Israël, qu'il dépose une copie et demande à pardon au peuple congolais pour Namakambo président Mobutu à Salaka. Beaucoup, nous voyons beaucoup de présidents du monde entier qui ont été mis à la matation à Israël. Obama était parti, a tiki moi note na ya koma ki, il paraît que batubayaka ko yiba note ya Obama po baye ba, qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu. Pourquoi pas mkonzi ya bino ya mboka Congo, pour na kolongo la malédiction, pour na kolongo la souffrance à peuple congolais. Comment vous pouvez rester bras croisés, boza ko se réjouir que bien la petite population continue à souffrir. Nos jeunes filles doivent se prostituer pour survivre, pour aider leur famille. Hein? Nos jeunes filles doivent se prostituer dans la classe parce que tant qu'elles ont commencé à échouer, à te qu'ils ont tourné pour battre la haie à point. Est-ce que c'est là le développement? Les jeunes ont commis Bakuluna, on tue des Congolais comme des mouches. À l'étranger, on les chasse, on les tue, on les brûle. Au pays même, on les tue, on les massacre dans leur propre pays, la terre de leurs ancêtres. Hein? Il y a des charniers, des communes, comme on appelle, tombe communes, ou whatever you call it, dans tous les coins du Congo. La malédiction est sur le Congo, la colère de Dieu est sur le Congo. Il y avait une histoire dans la Bible. Il y avait une petite fille Azaki esclave tango Israël a bouki ilobanzambe bayeko déporté bango na je crois na Babylone et cette petite Azaki esclave na ndako ya général moko général wana Azaki souffrir de la lèpre
cette petite fille à l'obi n'a pas eu une option à Israël tous un prophète ce qui général à que prophète assemblé pour ne pas couper yango ananga il est là naza prophète était naza pasteur était naza évangéliste était naza comme moi naza mais simple naza na souci na fardeau en boka nanga na observer ma cambezo qui est en boka à la lumière de la parole de Dieu naza ko conseiller naza ko senga bino ba pasteur ba serviteur de Dieu boye bisamo konziambo kaki ya la colère de Dieu au-dessus du Congo a senga la peuple congolais pardon na makambo président Mobutu asalaka pour tes malédictions wana et longwa de kolona Congo les pays les peuples c'est Dieu n'a pas prédestiné le Congo à la souffrance non il a dit j'ai un plan de bonheur et de paix pour na bana nzambe hein. Mais les autres peuples congolais, ça va souffrir, souffrir. Il faut qu'on arrive à décerner vraiment les problèmes du Congo, les racines du problème, et trouver des solutions. Yangwana papa naye lelo vraiment pour nakotala ikamba Congo. L'administration du pays est entre les mains des étrangers. L'armée, la police, la sécurité, l'immigration, l'économie même est entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, on nous dit que Mboke est bongi. Mboke Bongi avec les étrangers à la tête du pays, qui contrôlent tout. Et c'est ça Mboke Bongi, et qui en profite pendant que la population souffre. Hein? Donc, ce qui est passé dans Zambé, dans le Congo, il y a un cri, il y a un grand cri, il y a un grand ce que je vous dis aujourd'hui, il y a un président de la République. Ce qui réellement, il dit qu'il est congolais, que le sang congolais coule dans ses veines, qu'il compatisse à la souffrance du peuple congolais, qu'il fasse cette démarche auprès d'Israël. Vous comprenez dans 5 ans comment Congo est là. Si notez, marquez cette date aujourd'hui, Ndekonangaï, dans les 5 ans qui suivent, Tokobandaka corrompre, dans ma cambo, toujours les lapons à Congo. Et ça passe ming, pour Nzamba, Lubaki. Nous sommes d'abord les seuls pays au monde avec 12 millions plus de morts, 2 millions de femmes violées, 3 millions de déplacés, hein, et personne n'en parle. Les génocides congolais, plutôt les génocides rwandais, même pas 1 million, 800 000. C'est reconnu mondialement, officiellement. Les génocides arméniens, la même chose. Et nous, plus de 12 millions au moment où on parle, les gens sont en train d'être massacrés, kunana babeni na banini. Et personne n'en parle. On est en train de jouer avec la vie des Congolais comme si basa les sous natina té. On voit un certain cobbler qui monte, qui danse au pays, il va par-ci, par-là, comme si. Et là, comment ils appellent. Et nos propres politiciens ne dénoncent pas ce qui se passe au pays. Bah, il y a aux États-Unis, à Washington, pour qu'on ne soit pas au pouvoir. Mais qui dénonce le peuple congolais à subir? Qui dénonce les génocides? Qui dénonce les viols des femmes? Personne. Maintenant, soit comme au bout de la carte, qu'on ne soit au pouvoir. Il y a un autre verset dans la Bible où nous avons dit qu'Israël a une pierre pesante. Il y a un Israël. Il y a un Apocalypse 11, 3 à 10. Il y a un Zacharie 12 à partir du verset 1. Il y a un Zacharie 12 à partir du verset 1. Il y a un Israël. Ce qui est un leader spirituel, c'est une démarche. Et que Mokunzambo a fait des marches en acte. Il y a aussi l'expiation par souffrance. C'est-à-dire, dans la Bible, c'est l'âme qui pêche et c'est l'âme qui mourra. Donc, ça, c'est Dieu puni. Donc, dans la Bible, c'est l'âme qui Congo. Le peuple congolais a souffert. Et il va continuer à souffrir. Mais jusqu'à quand? Pour notre péché, on est à l'expier. Ça peut prendre 50 ans, 100 ans. Il y a souffrance. Mais nous savons que le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc, tu y habites. Pourquoi qu'il y ait un enlèvement quand il y a souffrance? Il est grand temps que le Kunziamboka, le leader spirituel, batte le Kambouana pour arrêter cette malédiction et la souffrance du peuple congolais. Il y a des gens qui disent toute autorité vient de Dieu. Il faut vraiment qu'on discerne les Écritures pour comprendre toute autorité vient de Dieu. Il y a un Kunziambazo le Bake. Quel est ce père-là? Moi, je suis un Elipa, à couper ses Elibanga. Moi, je suis un Bis, à couper ses Nyoka. Et donc Dieu, le Congo qui est un pays à majorité chrétien, Zambakoya ko pesa biso ba autorité ya konyoko la ko bomba ya ko violer ya konine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est-à-dire, tant que to buki lo banzamba, tant que to bimi li banda lo banzamba, la colère de Dieu frappe. Et Dieu permet que ces choses-là nous arrivent. Que des autorités pareilles prennent le pouvoir, qui règnent à la tête du pays, qui n'ont aucun souci du peuple. Hein?
C'est, voilà où on dit que toute autorité vient de, c'est-à-dire Dieu permet cela. Et il y a la différence entre la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Quand on observe la parole de Dieu, on obéit Dieu à 100%, on est béni, on est dans la volonté parfaite. Mais toki soki to bimi na libanda liubanzambe, on est dans la volonté permissive. Et dans la volonté permissive, il y a des conséquences à subir. Il y a quoi que subir les lona Congo pour autorité ou tinanzambe, c'est vrai, il a permis cela. Hein? Ils sont là, il a permis. Parce que il est écrit, arrive-t-il un malheur dans un pays sans que l'Éternel soit l'auteur? Mais l'Éternel n'est pas l'auteur des malheurs. Mais c'est nos péchés qui attirent les malheurs sur nous. Et l'Éternel le permet. Et là, nous sommes dans la volonté permissive de Dieu. Donc nous devons discerner ma cambe. Autorité dans la volonté permissive. Oui. Mais voyez les fruits qu'ils produisent. Mm-hmm. Parce que tous les gens vendent dans Bamboko. Tous les gens, même dans les pays, sur l'Afrique. Les autorités, ils ont bondé la peuple dans Bango. Ils ont défendre l'intérêt du peuple dans Bango. Ils ont salé tout pour l'intérêt du peuple dans Bango. Mais pourquoi nous avons des autorités qui ne défendent pas l'intérêt du peuple, qui ne se soucient pas du bien-être du peuple? La malédiction est sur le Congo, mon frère. Il est grand temps que les spirituels et les leaders spirituels battent les Kambouana, bafouillent les écritures. Mais ça doit être réparé au niveau de l'État, puisque il salamaka au niveau de l'État. Yango ana na ye na message wana pour na ko passer au leader spirituel, les serviteurs du Dieu vivant. Basa la démarche wana au bakolandanga, ba meka ko se consulter dans la diaspora comme au pays sur place. Ba meka ko sa la démarche wana, c'est très très important. Ça, ce qui est salamité, je vous dis, marquez cette date, mon frère. Donc, continuez kaka, n'engue wana ko souffrir, kolela. Et parce que vous continuez kaka. Solution zalate. Donc, voilà quoi. Nous attendons un pays où Dieu sera le souverain. Puisque le pays où il est sous la domination de Satan. Mais avant cela, il faut quand même. Pour que la solution n'a pas de problème, tout ça qu'on vive, tout qui ignore la souffrance à peuple n'a pas sauté. Et tout le Congo, en tant que chrétien, dans les écritures, tout ça là, et tout ça là, c'est qu'on peut faire pour écarter cette malédiction, pour écarter, pour arrêter la souffrance du peuple congolais. Car le Seigneur Jésus revient bientôt. Et dans l'entretemps, il y a les écritures où on a collé la coupe, ça se bat pour vérifier que nous devons aussi obéir, qu'on tend dans les écritures, qu'obéir. Hein? Où il y a 1 Corinthiens 15, 24 à 28, 1 Timothée 2, 1 à 4, Romains 13, 1 à 5, 1 Pierre 2, 13 à 17, et puis livre à Tite, chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà, verset où ce qui est beaucoup autant à l'andako. Puisque quand Dieu veut achever, veut accomplir quelque chose, il peut utiliser même les diables. Donc, on a qui tango, en tant que qui s'est débarrassé de Akab, il a permis qu'un esprit de mensonge. Et quand on a quatre prophètes, va prophétiser ma cambalukuta pour Akaba qui est la guerre, qui est beaucoup fort. Donc Dieu peut utiliser même un démon pour accomplir tâche naïe, pour accomplir et là qu'on zambalingi et salim. Donc pour le bâtir qui n'a autorité ou tina nzambe ou qui peut toucher va monter tout discerner quelle autorité, quelles sont les œuvres de cette autorité là namboka. Bah fruit ni ne va produire namboka. C'est pas les boulevards de sa souffrance et à peuple été beaucoup dans la capitale, même dans la capitale beaucoup dans la capitale commune qu'on a tala banzi la soki mbule ebeti, c'est la catastrophe. Alors boulevard wana et vandi wana qu'on a batu bazo dinana mai mai mbali kanezate. C'est ça là le développement. Donc et ça passe ming nzamba sunga biso na zako lancer toujours appel aux serviteurs de Dieu. Bazo appelle nanga avec considération, ba meka ko sala démarche wana, ba meka ko prier, ko tala réellement, c'est la parole de Dieu. Et sans cela, il n'y aura jamais de paix au Congo.
ba politiciens ceux qui démarchent wana salami boki ko kende ko sala ba élection boki ko kende na ba dialogue boko mona ke makambo e ko move smoothly que les loyaux dans la sous la malédiction attendent du pouvoir boko mona makambo ndenge ko ya ce qui va arriver sera pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui va arriver sera pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui doit arranger le Cambouana na Israël était. Et moi, na les ma waming pour comment les Congolais peuvent être des esclaves dans leur propre pays, dirigés par les étrangers. L'économie basée à mon étranger. Les Congolais n'en profitent pas. Nous avons des gens très intelligents. Basu c'est sa université. Basako à Jésus Kende. Basako quoi que ça les côté. Des familles aux accords à la disloquer pour un moyen de survivre les années sous-soutées. Donc, yango ana shalom, peuple de Dieu, Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Zamba Pamorabine, Maman Victoria, Dove, Dimanja, Maman Colombe. Vraiment, Bandeko Toyoki, Maman Lobby. Maman Lobby, et là qu'on a retenu Maman Lobby, c'est-à-dire que Tozana malédiction. De malédiction ana, il faut ko luka ko yeba e uti wapi ndenge mama a exposé biso ndenge uti ko boma président Mobutu e akena na nini na oni a lobby entre le il y a une question. C'est-à-dire ce ko tali na gouvernement wana. Les abattoirs basana ba lanche ba nini tout ça, c'est-à-dire que basa membre ya ba culte au culte tout ça, est-ce que bango ba occuper quoi accepter que batika nini na bango, c'est là le problème où tous a communiser pouvoir ya nzambe puisque ce qui biso peuple de Dieu to leli to bon leli nzambe que nzambe sala de marche wane ko kisam. En éclair d'œil, nous avons changé la situation. Mitema ya ba konzi wana nyonso bandima eloko ane salima. Ne minimisons pas le pouvoir de Dieu. Parce que ces gens-là sont sous l'aveuglement, sous l'envoûtement ya nzambe na makambo ya kanaki. Donc quand le peuple se répand, Dieu a touché mitema na ba konzi, ba ko sala démarche wana, même ba oyo baza kuna na pouvoir, okomona kaka mayele na bango ebulunganisi, bandimi likambo na pe salima malédiction lingwe likolo na Congo. Ne minimisons pas le pouvoir de Dieu. Dieu peut toucher le cœur de ces gens en un clin d'œil, situation changée dans Mboka. Et parce que si ko tozo sola na mama. Alors parce que ce qui même na Bible ezali mais na tanga vraiment Bible mingite que ce qui Mboka na bino est comme dirigé na étranger, c'est-à-dire malédiction ezali. Tout à fait. Parce que moi na wana azana niveau mon côté par rapport na ba mende ba ba tu ya mayele oyo baza tout autour na yi. Mais pourquoi na posa ki même question ané pa na papa matoné pour na koloba ki mutoyé na mboka après 3 ans ayé immigré clandestin après 3 ans a commis président de la République. Alors, constitution de M. Zali Wapi, est-ce que tout ça la nini na di Kambouana? Parce que wane komi on dirait, Nzambe a zako pinir bino. Le quoi Nzambe a pinir bino, et zala difficile pour que moutou yu a zako acte. Ndengi Nzambe a say, bouma bango. Est-ce que tango bouma abatou? Peini ni lubaka. Eloko. Osomona. Yango sikoyo eloko toza ko senga oyo kinenge mama alobi oyo mutu nyoso pe akoza na proposition na ye. Boya tokosolulango tozo yango serie to yeba nani et surtout eloko toza ko luka. Mutu oyo bato ya mayele oyo bakozwa likambo wana ba fandi sango ba komana ba nini tout ça pour les a même lettre mon qu'on dirait lettre officielle et koti na présidence nde loko biso tozo luka ya mwana mutu nyonso ya za na proposition azana likambo o etani ndenge mama alopi lelo awa allez
Zaire TV Zozela yo. Bible lobby papa. Quand Dieu agrée un homme, quand un homme trouve faveur devant Dieu, Dieu dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ceux qui peuple congolais to leli ke nzambe to lingi malédiction et longwa, mais malédiction et longwa ceux qui ba konza mboka ba arranger mikamboyo nzambe akosala. Nzambe akosala. Toki ndeke koluka misala papa ba cheka ka background, ba cheka ka yo niveau na yo. Mais comment le Congo en est arrivé là? Que des professeurs des universités acceptent ce qu'ils acceptent aujourd'hui au Congo. Et ils trouvent ça normal. C'est un aveuglement spirituel. Oui. C'est un envoûtement. C'est une malédiction. Vraiment, bande ko balandi ya toyeba Congo, toyeba Congo, namoni, maman a pesi biso makambo nyonso. Mais maman, tu es dans la politique. Et même si on nulle part, 20 ans à combat, 20 ans tu bandico bunda. Peut-être Mamsou Babanda qui na 2001, Mamsou Babanda qui calabaye, basse rendait compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Espoir et sidia. Non, il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Ceux qui te zongelin zambé, espoir ils allient toujours. Avec Dieu, il agit même à la dernière minute. Et on a lobby. Le Seigneur Jésus revient bientôt, mais avant, il y a. Tout le monde a arrangé ma campagne pour le peuple congolais, puis ma paix, ma souffrir, mingi. On n'est pas destiné seulement à la souffrance. Hein? On doit jouir quand même des richesses de notre pays. Tout jouir ça quand on a goûté. Tout y est bien content. Ba diamant, ba or. Est-ce qu'au diamant ou taka? Est-ce qu'à nanzilate, est-ce qu'à courante? Est-ce qu'à ba coltan, est-ce qu'au taka? Est-ce qu'à nanzilate? Les lobes pays nous sont développés à partir de la richesse à Congo. Et le Congo est allé ce qui troisième avant dernier pays. Il y a pauvre à Congo. Il y a pauvre à monde. Comment expliquer cela? Il est grand temps que les gens se réveillent. Qu'on dise non. Enough is enough. Mais dans ma cas, c'est la bisoté. Tout zongé la écriture, tout zongé la l'ouvanzambe. Tout le cas solution bibliquement. Oui, solution bibliquement. Ce qui te rejoignent, mais ce que tu as dit, le pasteur Mingi, le kota, le nzela, le mabé, le komapé, le groupe, le secte. Alors, il y a un peu de temps pour. Oyo kaka pasteur abimi na mwasi bwe asali bwe omonite keza ko détruire spiritualité ya batu tout à fait tout à fait ko bango kaka bazali boso est-ce que naibite ideni ni ko bimisa wana po ngana suke kaka ndenge na lobiawa c'est vrai il est vrai que batu balati couverture ya bible ya liloba nzambe pour faire tous les dégâts possibles. Dans l'église, vous avez des pasteurs divorcés, des pasteurs qui courent avec des bantimi dans quatre églises. Il y a tout ça qu'on déplore, la mort dans la communauté ici, dans le Royaume-Uni. C'est suite à ces pasteurs-là, qu'on détruit ma foyer. Papa va dire, moi, c'est à obéir et sous-souter. Moi, c'est à yoka plus ce que le pasteur dit que ce que son époux dit. Mais papa, ça n'a souci. Ami Monique, il m'a dit, c'est lui. Moi, c'est à quoi qu'on a là en église, deux jours, trois jours, une semaine, il m'a dit, il y a des mots. Il y a un papa qui a dit que l'autre doit mourir, mort subite. C'est suite à ces pasteurs-là. C'est autoproclamé pasteur. Il y a un pouvoir, mon côté, une force, mon côté, il y a qu'on transmettre un peuple de Dieu. Il y a la Bible, il y a un roman policier, il y a qu'on transmettre une idée dans le bango. Il y a une force, puisque ce qu'on a commissionné dans Zambété, il y a une force. Il y a une force. Au moment où il y a une église, on a une vie dans le bango. Bato babandai ko vivre kaka na mukili nenge bazai ko vivre ba yene eglise kaka nenge bazako vivre nenge bazako lata nenge bazako loba changement moko ezate alors que cette parole de Dieu a le pouvoir de transformer la vie des gens, a le pouvoir de transformer le cœur des gens. Mais comment na mutaza 10 ans eglise après ça kama bonza 10 mai ou comment les appelle action de grâce mais vie na etala et changa kate basi ba mateli ba papa na banda ko kaka pona ba pasteur wana. Alors ce que je dis, c'est que tout minimiser pouvoir en Zambété. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont bakis, qui sont bakis, qui sont bakis, miracle, sont bakis, qui sont bakis, qui sont bakis, qui sont bakis. Mais miracle, il y a des vies à moutou. Il y a un pasteur qui a transformé la vie, a comme une nouvelle créature.
le Saint-Esprit vient, la vie de Christ, littéralement, Christ vit dans la personne. On m'a dit que tu as changé, pensa complètement. Babé tient bata côté à pécher le temps, moi, à comme il colline, à comme il pardonne. C'est ça les grands miracles. Mais bango ba keko simba na ba kisi po basala ka miracle ba aveugler ba toke bisonde basala nzambe puisque les miracles. Ne suivez pas les miracles, ne suivez pas les parler en langue, bla 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 baga chakatara bakata bakata Esaïe a dokuta, hein? Il y a la procédure de parler en langue qui est dans la Bible au Paul a pesaki comment yo tel pasteur na télévision comme chakatara kata bakata bra osa ko lobani le ko édifier ngana ni yo moyembi ya nzambe le goza chante de l'éternel osa ko chanter la bakata bra chalola édifier peuple de Dieu en quoi, en quoi? Hein? C'est de l'impressionnisme, mais vous avez impressionné pour rien. Et les gens mal affermis, les gens moins affermis, donc notre Dieu a le pouvoir de changer Bilokwana. Ce qui te se rendre compte que réellement, les Kambo et Maman, les Mandamama Colomba, ils n'ont pas été solo. Bato babandi ko lela nzambe kita sala na bakonzi wana, sala na ba pasteur wana, bakende basala démarche wana papa. Kakaboui, makambo ko changer. Dieu est capable de tout faire, de tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. Oui, maman, il y a solo Toyokio, mais eloko moko ya suka nazu yo comme interviewé. Mais tu es toujours dans toi ma proposition, mo, hein, et kende la ndenge nini. Soit peut-être toujours ba numéro de téléphone et tout ça, ba tu a bengi biso boya to solo là tout ça. Yo ko lobani. Non, je suis toujours là, hein. je suis disponible. Ils ont un pasteur, ils ont un combattant, un combattante, un résistant, un résistante. Ce que je dis, maman dit, je suis élaboré, le problème, on a vraiment à profondeur pour avoir tout ça, pour tout la minute. Je suis là, le problème est parce que, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, avant le mot mutu potina analiso, mitala nano yo moko simbi tout ça, ce qui a eu les alités. Alors, denge li kambo pour makamo mingi bandaka en Angleterre. Denge li kambo wana ibani ningi wana. Est-ce que okoki ko kende na ba communauté te pour na kosenga ou bien ko komela ba communauté to banana ko sukola mabeu ezali pa na biso awa en Angleterre. Pour tokene nango malembe malembe na mboka bon communauté to ko atteindre ngo ndenge ni papa kana ndenge na bino bato abija bo ile toujours passer message pour na ko atteindre communauté pour soko bengi si réunion lelo romona bato mi ba ni sa to bayi alors ki nanda ko bwende bato bavandi bazo landa mingi ba mama mingi peut-être bazana accès internet et na YouTube te pour na ko landa oyo malheureusement télévision to za ko landa makambo ya mboka yango ane komi. Ce qui n'est ni ni bon, une cocotte n'a pas polémique, c'est vraiment malheureux. Bato bazo kufa, bino bazo le bambo ke bongi, eza pas si mingi, mais vous répondrez devant Dieu, hein? Vous répondrez devant Dieu, eza li mawaming, mais c'est pas les médias qui t'ont passé message, qu'on s'organise, qu'on se rencontre, ce bato bako linga. Tout coup t'en a, tout y est bané, ni non peut faire. Il y a musée d'Ani, à Zakosale, loko moko ya kitoko. Tout ça qui a tout ça qui n'a réunion samedi passé, pas musée d'Ani. Nazala qui wana, à Zakosale, loko moko kaka dans le cadre, il y a souci à Makambamboka. Tout ça qui wana pour nous soutenir vision ya musée d'Ani. Qui va tout balingi tout coup t'en a, tout ça là, tout le tout solo là. Maman Dimanja, maman Colombe, à toujours wana. Na ébite ce côté qui est dans le susu. Oh, yo koki ko ebisa biso. Miko ezaya. Lika mosusu ezalite, ezalika kake peuple de Dieu to découragerte. Notre Dieu est vivant et il est réel, il agit, il entend, il répond. To bon saka kamite manabiso, yaza un Dieu trois façons avant d'agiska moko na mbindote, mbindo l'équipe dans la communauté, mbindo l'équipe na mité mabatu. Nzamba tiki biso ko banda na makambo wa président na biso salaki ba assassinat na mboka tout ça. To bon samité manabiso to zonge la nzambe réellement da to le la nzambe chaque fois que bana izre bazai ko pécher nzamba bazai ko abandonner bango bako déporter bango ti bake ko sala bango soki ndenge nini tango bako zonge la nzambe na bango nzamba yaka toujours ayokeli bango mawa azongeli bango apamboli bango donc biso pe ba congolais to zonga samité mi pa na nzambe to longola mité mi ba pa e pa ba pasteur to zonga samité mi pa na nzambe na lilo banzambe sonde les écritures mes frères et sœurs. Tout le monde a dit que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils sont dans les écritures, restons dans la parole et la victoire est certaine.
La victoire est certaine, certainement la victoire est certaine. Nakanisi Boyoki Biso, réalisateur et émission Ezali Yemoko Jean-Marie, et puis présentateur Ezali Jean-Marie Kaka. Invité nanga ya lelo Ezali Mama Dimanja, Victoria Dimanja. Mingi ba mona na Facebook. Po ya tinda ka ale bate. Alors ne tokuta na bino prochainement. Tokoye bisabino mu colonie tokuta mais to sengi na bino oyo azana proposition pour na Congo. Oyo azana diloba pour na Congo. Po Congo Ezali on dirait famille na yo Ezali ndap na yo. Na ndap na yo ozana droit ya koloba likambo. Yango tozo senga bien même ko saka okoki ko saka ke voilà nga na diki boye eza ko saka ya église te mais eza ko saka pona mabele na yo Congo et kende liboso vraiment merci mingi to kutani na biso na bino ni so prochainement ciao bye.